il y a de l'intérêt, il y a de l'enjeu. Bonsoir messieurs. Oui, il y a de l'enjeu effectivement de part et d'autre. Alors quelle animation. On en a discuté tout à l'heure avec Felice Mazzu qui me disait ça a été un choix compliqué en fait parce que 9000 personnes, on aura le chiffre plus précis tout à l'heure. Vormer, c'est bien donné, c'est bien donné. Et est-ce que c'est rentré ça? Visiblement oui, malgré l'intervention de Kofi. Ce ballon touché par Zinho Gano, me semble-t-il. C'est... ça semble être ça. Voilà, confirmation de cette faute de main, donc. Ouh, ça c'est court. Et il va vite, la glissade de Knezevic et il file vers le but. Endur, Endur, Kofi, Endur, c'est dedans, c'est 0-1. Dégager tout cela, Kayembe remise avec Marc, c'est intéressant, Knezevic, le poteau, et finalement, et là il m'arrêtera, et Menza, Menza, c'est dedans, et Charleroi passe devant, c'est incroyable. Attention à la reconversion là, parce qu'il y a quelques Carolo qui ne reviennent pas. Et le contrôle de Fadera est parfait, Fadera marque, Fadera, et le but. Oui, 6. Knezevic. Knezevic. 6 minutes. Et Bayo. Oh, la barre transversale. Badji. Oh là là. Attendons, est-ce qu'il peut remettre encore une fois ce ballon dans les 16? Oui, avec la déviation de Knezevic. Et Benza. Ça a été contré, Marc. Est-ce qu'il peut frapper? Oui. Mais quel but de Damien Marc. C'est pas possible à la dernière seconde. Le Felice Time avec son lieutenant Damien Marc. C'est exceptionnel. Le Sporting de Charleroi va s'imposer à la toute dernière seconde sur ce but. Mais c'est fou. C'est fou. Vraiment. Regardez. Il y avait d'abord cette frappe de Benza et puis il va la déposer. C'est délicieux. Oh que c'est bon. C'est bon là pour Damien Marc. Elle est splendide. Écoutez, ça doit être le plus beau but de sa carrière, hein, ça assurément. On lui posera la question. C'est fini, c'est fini. C'est fini et Charleroi s'impose au terme d'une fin de rencontre complètement.